Dimanche 12 mai 2024, l'équipe Real Madrid a célébré 36e titre ligal. Une belle saison pour le club madrilène qui a perdu seulement un match dans le championnat d'Espagne. Dernier match joué dans le championnat, il a gagné l'équipe Grenade 4-0 dans la 35e journée ligal. En tant qu'équipe Real Madrid, ça a gagné quelques individualités qui sont tête du lot. Décisif nan mouvement important pour l'équipe Real Madrid là. Mais gen yon joueur nan équipe football ça, malgré toute critique, malgré toute pression avant saison 2023-2024 là, qui mettait tout le monde d'accord à tel point que nan journée 12 mai 2024 là, public là qui t'a fêté avec équipe Real Madrid là qui sacré champion a scandé non Ballon d'Or 2024. Nous prenons un petit bas de bouche sous situation ça et perspective pour jouer au football ça que fanatique Real Madrid a cité non pour Ballon d'Or. Joueur Real Madrid croit que c'est le meilleur joueur du monde. Entraîneur Real Madrid croit que c'est favori au Ballon d'Or. Tap tap sin, c'est compagnie ça qui permet de voir l'argent by Famou Axamou en Haïti. Sans ou pas besoin d'aller dans une maison de transfert. Téléchargez l'application sur Google Play Store, Amso ou éligible. Ou même quand vous vivez aux États-Unis, Canada, France, Espagne, pour me citer pays sans seulement. Téléchargez l'application sur Google Play Store, Amso ou éligible. Famille ou besoin mon canal Haïti, juste besoin de gagner mon cash élargi sur téléphone. Et cette belle-là, c'est 4 débits ou besoin de faire transaction. Et automatiquement, ou utilisez pour mon code qui m'a haïtien, K-I-M-H-A-I-T-I, ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application d'automobile sur Google Play Store pour capable placer Paris Sportif, Paris Simple, Paris Multiple, Paris Combo. Et désormais, l'automobile gagne basketball sur l'application. Real Madrid a fêté 36e titre ligal. C'était un moment de communion, un moment qui est content entre fanatiques Real Madrid et club madrilène qui gagne Liga. Yon équipe qui gagne Liga avec brio. L'organe résultat équipe Real Madrid là. Yo bat Barcelone Ali, yo bat Barcelone dans match retour. Seul point noir en quelque sorte on capable dire pour équipe Real Madrid là c'est que yo pas arrivé battre équipe Atlético Madrid là dans deux matchs que joué avec équipe football ça. Atlético Madrid t'a battu dans match aller hein? Et dans match retour là et match ça t'est fini nul avec Real Madrid qui t'a pris un goal très tardif. Équipe Atlético Madrid. Mais à part de ça, c'est une excellente saison pour le club madrilène qui est champion avec brio dans la saison 2023-2024. D'ailleurs, dernier match joué dans le championnat bat équipe Grenade, c'était un sparring partner pour l'équipe Real Madrid qui a préparé pour la finale et Ligue des Champions le 1er juin qui a venu là dans le stade mythique là. Qui c'est Wembley en Angleterre. En dehors de Real Madrid, il y a certainement des individualités qui sortent tête du lot. Par exemple, Bellingham, qui c'est meilleur buteur équipe Real Madrid dans la Liga. Toni Kroos, qui c'est distributeur du jeu club madrilène, qui c'est une meilleure passeur saison 2023-2024. On pas capable pas mentionner le cas de Rudiger qui était très bon sous saison 1. Valverde, qui c'est véritable pour mon équipe football, ça, ou des sensations, monsieur Salim, même, bah, Jean Bouquet, les prend pour mon maman, les prend pour mon papa, les prend pour mon autre famille, pendant les mêmes ligues pour mon pal. C'est un joueur pas Jean Bouquet. Et puis, petit monsieur devant, yo, Rodrigo, qui alterne les bons et les moins bons, mais il gagne quand même un moment, Rodrigo, t'es très bon contre l'équipe Real Madrid là. Mais, gagnons joueur en de l'équipe football ça qui commençait à détacher. Eh bien, joueur ça, c'est Junior Vinicius. Pourquoi ça me croit que Vinicius méritait débat et analyse cette souli? La première chose, c'est un joueur qui tenait en situation côté tout le monde d'April. Parce qu'il était extrêmement maladroit. C'est quand pile critique autour de lui. Et même des joueurs en de l'équipe Real Madrid là qui te dit on coéquipier pas by Vinicius passe. Karim Benzema. Karim Benzema, non match Real Madrid,
Dimendi, pas bay Vinicius passe parce que Vinicius a joué contre nous. Le bon coéquipier qui n'a même équipe avant et puis qui dit on l'autre coéquipier pas bon passe parce que on joue contre nous contre équipe que là dedans là alors que c'est coéquipier son manque de respect total. Par la suite Karim Benzema t'a pas excusé auprès de Vinicius pour maladresse. Est-ce que Karim Benzema t'a dit on coéquipier pas bay Gareth Bale passe? Est-ce que le t'a dit pas bay Hazard passe? Est-ce que le t'a dit pas bay Cristiano Ronaldo passe? Jamais il va pas dire ça. Donc je vois ça autre que t'a gon acquis. Vinicius peut qu'on gagne acquis ça. Eh bien et Karim Benzema t'a dit pas bay passe. Vinicius avec travail mental li arrivé contribuer grandement dans ballon d'or Benzema. Benzema fait une excellente saison mais le nous garder pour John Ballon d'Or, nous constater que pour John Ballon d'Or 2022, si Real Madrid pas de champion Ligue des Champions ça, Mané te doit gagner Ballon d'Or. Le nous garder pour John Ballon d'Or avec Mané qui était très haut et finalement c'était Liverpool contre Real. Qu'est-ce qui fait goal final Ligue des Champions? C'est Vinicius. Vinicius fait 20-20. 20 goals, 20 passes pour PPT sous saison ça. Football n'a pas un sport individuel seulement. Côté que vous gagnez individualité, t'as brillé en dans collectif. Là. D'abord, son sport collectif, c'est pas moi-même qui a joué contre tout. C'est pas boxe lié, c'est pas tennis lié. Donc, en dans collectif, ça, il y a des individualités qui brillent. Et bien, Vinicius, t'es contribué dans Ballon d'Or Karim Benzema en 2022. Maintenant, Vinicius, t'as joué avec numéro 20. Saison 2023-2024, Vinicius, il a joué avec numéro 7. Lors du numéro 7 dans Real Madrid, c'est un numéro mythique qui a pile pression sur lui. C'est pas pour sans raison, dans Manchester United, il y a une série de légendes qui passent avec numéro 7. Mais, il y a quelques temps là, numéro 7 dans Manchester United, pas pour tes résultats. Il y a des gens qui croient que c'est pression, et pression numéro 1, tuer, joueur, et trop pression parce qu'il y a une comparaison. Eh bien, c'est même pour l'équipe Real Madrid là, parce que bon série de gros joueurs dans Real Madrid qui étaient pour tes numéro 7. Cristiano Ronaldo était pour tes numéro 7. Raúl González était pour tes numéro 7. Et si nous prenons le dernier gros numéro 7 Real Madrid, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est 450 goals en 438 matchs. Plusieurs titres de meilleur buteur de Ligue des Champions, plusieurs ballons d'or avec l'équipe Real Madrid là, plusieurs titres de Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo. Et sur le plan individuel, Cristiano Ronaldo, c'est le plus gros joueur Real Madrid de tous les temps. Si on fait mariage collectif individuel, le ça, on peut passer à Algadi Di Stefano, qui fait moins de goals que Cristiano Ronaldo. Mais on a fait mariage collectif individuel là, il prend 8 ligas, il prend 5 Ligue des Champions, ça non négligeable. Depuis que Cristiano Ronaldo quittait Real Madrid, gagné plusieurs joueurs qui portaient numéro 7. Mariano Diaz, Eden Hazard. Eden Hazard vini dans Real Madrid dans perspective pour lui remplacer Cristiano. Zidane vini avec Eden Hazard. Malheureusement, Eden Hazard pas arrivé faire de très bonnes choses avec Real Madrid. Problème de blessure et surpoids. Il n'y a pas de résultat. Mariano était numéro 7 tout. Première pression pour Vinicius, c'est que bon numéro 7 là, c'est dit, nous dit, nous d'accord que nous gagnons dimension en plus. D'ailleurs, dans le contrat Vinicius, gagnait quand même des clauses pour tout gros joueur qui aspire pour gagner des sections individuelles. Et la presse t'a parlé de dirigeant Real Madrid qui t'a dit Vinicius, saison 2022-2023, 2021-2022, en pas 2021-2022, ou doit monter niveau pour faire plus de goals que ça quand il fait en 20. Il progresse, il fait deux saisons à 20 goals, 20 passes. Maintenant, première saison Vinicius étant numéro 7, c'est 13 goals dans le championnat, 5 goals dans la Ligue des Champions, 3 goals dans la Supercoupe.
Ouais, c'est quand même un joueur qui a écrit histoire avec numéro ça. Au départ, tu as gagné doute autour de capacité Vinicius pour mettre numéro 7 dans son dos et puis pour le faire résultat. C'est pas une question de numéro. On joue avec le numéro 5 qui fait résultat. Zidane joue à 5. Bellingham à 5. Maintenant, gros 3 numéro 1, gain aspect mythique numéro 1. Chaque semaine, chaque week-end, on prend le sujet comparaison avec le monde qui te porté numéro ça. Qu'on est là, c'est pas tout joueur qui gagne un gros force mentale pour répondre à ça. Parce que le 11 joueur te porté numéro 10 ou vient porté numéro 10 là, on capable dire ah son numéro, mais attention, il y a un aspect mythique numéro 1. Il y a un aspect traditionnel numéro 1. Il y a une histoire numéro 1. Cristiano Ronaldo fait partie de top 2 pigo joueur Real. Raoul, pendant longtemps, c'était le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe Real Madrid. Son légende under Real. Qui bat Real Madrid, Ligue des Champions déjà. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la presse, normalement, automatiquement, pour tes numéro 1, pral gagne allusion à ça que t'es pour tes numéro 1 et aspect mythique numéro 1. Boutka Guignou, Cristiano, Raoul González Blanco. Eh bien, c'était tout ça que t'as gagné autour de Vinicius. Est-ce que je vois dans lui-même la gagne grinta, la gagne dimension assez pour mettre un numéro ça sous dol et faire continuité des légendes comme Cristiano Ronaldo, des légendes comme Raúl González Blanco? Vinicius, c'est en 2000, en juillet 2000. Donc, juillet 2024, à balle 24 ans. Maintenant, c'est première saison li ak numéro mythique là. Kounye la, si ou parti sou base première saison, premier élément de réponse autour de numéro 7 qui n'a pas Vinicius sa première saison, c'est une réussite jusqu'à présent. La preuve, dimanche 12 mai 2024 là, joueur Real Madrid a célébré avec public là. Public là a scandé non Vinicius Ballon d'Or. Je pas croire que si t'es non Vinicius Ballon d'Or son cadeau. Yo fait Vinicius. C'est parce que yo ouais que joueur là a joué au football de très grande qualité, il bail résultat. Parce que leur payo, yo payo pour faire résultat. Maintenant, l'on fait résultat, il y a des distinctions individuelles que normalement non pas lié avec distinction individuelle ça. Et le fait résultat tout public là lui-même qui c'est téléspectateur ou spectateur ligue émission pour renou réciprocité à parce que ou même ou fait qu'elle est content. Est-ce que je dis en Vinicius avec numéro 7 là pas fait public Real Madrid là content? Mais oui. Une grosse compétition saison 2023-2024 là, Real Madrid dans finale. Et en termes de contribution, Vinicius c'est meilleur contribuable saison 2023-2024 Real Madrid là en Champions League. 9 matchs, 5 goals, 4 passes. Dans le deuxième tour là, les meilleurs joueurs match à 3 reprises. Et l'ordre de Ligue des Champions, c'est compétition Real Madrid. Et sous pour 3 dernières années, pas gagné aucun joueur qui contribue dans la dimension Vinicius contribue à sortir 2021-2022 pour arriver là. C'est 4-6, 7-5, 5-4. C'est 3 dernières saisons. Real Madrid avec Vinicius, trois dernières saisons Vinicius avec Real Madrid, disons mieux, sur le plan individuel. 4, 6, 7, 5, 6, 4. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, le joueur en soi, mettait public Madeleine dans poche li. Pas seulement public Madeleine que le mettait dans poche li. Real Madrid a célébré, Vinicius dit,
moi avec Bellingham. Bellingham lui-même lui balle de réciprocité, il dit moi avec meilleur joueur du monde là. Effectivement, oui Bellingham a pris réciprocité. Est-ce que il y a une hypocrisie ou pas? Il n'a pas que me connaît Kaisa toujours une sincérité là-dedans. Et son famille et tout nèg d'accord ça nèg dit ça. Le grand Dagouleur qui dit que Brahim Diaz son monde qui remet l'empile. Brahim Diaz dit monsieur ou c'est frère nous remon nous son famille, son famille. Ou dit Gergon mais l'a fait comme ça. Journée 12 mai à Ancelotti prend de stand mais ou dit Gergon. Ancelotti peut-être tape un gros chanteur plus que l'entraîneur, c'est lui-même qui tape bail le ton comme chef d'orchestre ou à la Madrid Nanabas. Ça veut dire où est son communion, où est son famille. Il est vraiment difficile, lui, le on caille solide pour raser le garçon. Il est vraiment difficile, lui. Le caille solide pour raser. C'est que même le gain mécontentement par rapport avec petit changement que fait, mais caille solide parce que bon papa qui l'a qui s'en c'est l'outil. Bon chef d'orchestre qui se pire, qui remet mon lit. Ça, il est vraiment difficile pour mettre de l'eau à terre le caille solide. Et il y a Ancelotti qui dit que Vinicius a goûté au ballon d'or. Donc, nous partons sur base en taille, côté que Jouan mettait tout le monde d'accord. Staff coaching, côté que le président en soi parlait de Vinicius comme favori au ballon de la goûté au ballon d'or. Yon joueur qui concerné par ballon d'or, qui c'est Bellingham, les dit Vinicius c'est le meilleur joueur du monde. Public qui vient célébrer à Real Madrid dit que Vinicius ballon d'or. Donc là, nous constatons comment c'est gagné un positionnement de institution. Ça très important. Mais quand là, si nous prenons le numéro 7 là, qui était un numéro maudit depuis après l'époque de Cristiano Ronaldo en équipe Real Madrid là, sorti 2018. Pour arriver 2023, c'est un numéro qui est dans le Mariano avec Eden Hazard. Mais quand il est là, première saison, numéro 7, qui n'est pas Hazard, qui n'est pas Mariano, jusqu'à présent, c'est une réussite. Parce que, gagne Liga, 13 goals, 5 passes. Gagne Super Coupe d'Espagne, côté que il fait 3 goals dans la Super Coupe d'Espagne. Et puis, gagner finale Ligue des Champions, en 9 matchs, il fait 5 goals, il a 4 passes décisives. Donc, première saison numéro 7, dans Dovinicius, son réussite, alors que depuis, après l'époque Cristiano Ronaldo, en 2018, Mariano avec Hazard échoué, et pression Maroua, ça le représentait, pression numéro 1, qui est-ce qui était pour elle? Eh bien, jusqu'à présent, Vinicius lui-même l'a porté numéro 7, lui, correctement. Et gain résultat avec numéro 7 ça pour international brésilien Junior Vinicius. Tap tap sen. Ou même kap vive États-Unis, Canada, France, Espagne pour me citer pays ça seulement. Téléchargez l'application Tap tap sen sur Google Play Store ou bien App Store pour vous l'argent bay famou ak zanmou kan Haiti. Famille ou bien zanmi ou kan Haiti juste besoin gagner mon cash élargi sur téléphone ni. C'est quand débit ou a besoin pour faire transaction et automatiquement ou utiliser comme code KIMHAITIAN K I M H A I T I ou gagner $15 sur première transaction. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile là sur Google Play Store pour placer par sportif ou par simple, par multiple, par combo et puis basketball sur l'application l'automobile là pendant gagner par multiple, par combo. Sunfa TV a permis de regarder match football sans problème. Bein Sport, AMC, ESPN, Fox, peu importe où tu es dans le monde, ou besoin de bon compagnie qui a permis de regarder match football ou $20 américain le mois. Application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre. Et les will be dans le numéro 912-46-022. Shipex. Shipex, c'est compagnie, ça. Compagnie shipping, ça, qui a permis de vous y coller en Haïti, by Fomo Examon. Ou même qui Atlanta. Atlanta, mais Shipex. Des services pick-up. Dans Shipex, Atlanta. Peu importe quand tu es Atlanta,
mon chef qui sera là car il a pris un collier et puis a voué le pour en Haïti famo besoin a joindre le collier. Après les services pick-up chipex là dans le numéro 770-284-5344. Mais si en pire lui-même, c'est compagnie ça qui a aidé créer et gérer sur Amazon de A jusqu'à Z sous ta remet acheter tennis de marque comme Gucci, Versace en gros ou en détail. Rele Messi en pile dans le numéro ça 863-804-7366 ou bien visite le website Messi en pile dans www.messienpile.com. Domaine AB Fontaine Immigration Service, c'est Betty Fontaine qui est spécialiste en immigration. Tout ça qui est pour avec immigration, asile politique, TPS, résidence, c'est Betty Fontaine. Rele dans le numéro ça 754-740-4399.